Une salve d'applaudissements pour Monsieur Gallorini. L'entraîneur vedette a été le plus récompensé de la soirée des professionnels de Maison Lafitte, organisée par la mairie le vendredi 15 juin, notamment grâce à César Palas, qu'il a élevé lui-même. Ce champion des issu de Voix du Nord et Cardunica, est né en avril 2007, 3 mois seulement après le petit César Gallorini. L'histoire de César Palas, on va commencer par la racine. Sa maman, Cardunica, a été élevée à Nonant-le-Pin, dans le haras de M. Corbière, l'éleveur du gagnant du Jockey Club cette année. Or, c'est une référence, vous voyez, le plat, l'obstacle, ça prouve que c'est un très très grand éleveur. Le désormais célèbre éleveur de Saônois a toujours dans ses prés la grand-mère de César Palas. Cette cardoudale est suitée en 2012 d'un mâle de Voix du Nord et pleine d'Irish Wells. Là, c'est César Palas, avec un mâle de Voix du Nord aussi. J'ai fait le croisement de Cardunica, Un joli poulain. C'est une cardoudale et une mère par Carl Martin. C'est la famille de la Horse, c'est une grande famille d'obstacles. Ça vient de Suite Virginia. Je l'avais acheté à la fin de sa carrière de course au vent de Deauville. J'avais payé cher, j'avais payé 170 000. À l'époque pour faire une souche. Et pourquoi César Palas? Parce que j'étais avec ma femme à Las Vegas et nous étions à l'hôtel de César Palas. Et puis, nous nous sommes couchés à deux, nous nous sommes réveillés à trois, avec notre petit César. Alors, nous n'avons jamais pensé que ça pouvait être une femelle. Systématiquement, on a dit, on va l'appeler César Palas. Et puis, des circonstances ont fait que, évidemment, c'était un très bon cheval, voire un crack. Et nous sommes ravis, malheureusement, les chevaux d'obstacles, vous savez, ils donnent des coups. On prend le temps, on le soigne, il va revenir en espérant qu'il retrouve sa qualité. Et comme il a très peu couru, je ne vois pas pourquoi il ne retrouverait pas sa qualité. Et moi, pourquoi Voix du Nord? Parce que c'était un très très bon cheval de course. Malheureusement, le matin du Jockey Club, dont il était favori, il n'a pas pu courir, il s'est fait mal. Je pense qu'il aurait gagné. Et je connais très bien l'élevage. Parce que c'est l'élevage de Wittgenstein, les V de Wittgenstein. Alors, dans son pédigré, j'ai retrouvé beaucoup de noms que j'ai entraînés, ou les enfants, ou les... Voilà, ça fait que je suis allé le voir au Haras du Pin, et bon, moi, il m'a plu. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé voir ce cheval-là? Qu'est-ce que vous écoutez? Bon, c'est comme ça, il me plaît, et il nous est sorti César Palas.